Juliette, bonjour. Bonjour. Alors, donc, on te voit sur Educatis et on en profite pour faire un petit bilan de Ludovia et du Ludodoc, parce que le premier Ludodoc, on l'a vu cet été et on n'a pas eu le temps de débriefer. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. On a eu quasiment une trentaine d'inscrits. On a pu lancer notre site. On a publié sur notre site la plupart de nos interventions sur Ludodoc. On a eu quelques retours qui sont toujours très positifs sur des groupes de Facebook de PropDoc. On a recruté une quatrième personne dans le groupe qui a publié lundi soir son premier article sur le site sur les grénothèques en CDI, donc on est ravis. Donc c'est un petit groupe qui court, qui progresse, hein, qui évolue. L'objectif, c'est qu'il y ait une communauté qui soit de plus en plus large. Oui, de plus en plus large, de plus en plus vivante, avec aussi le fait que ce ne soit pas toujours les mêmes qui publient, parce qu'il y a des choses vraiment qu'on essaie de rendre vivantes, et du coup, il faut qu'on arrive aussi à montrer des témoignages de plus en plus de personnes, pour que les enseignants se rendent compte, redécouvrent que le professeur documentaliste, c'est quelqu'un qui fait des choses, qui est dynamique, et qu'il faut travailler avec. Enfin, on dit souvent, nous, à l'IDOMAC, que quand même le CDI, c'est devenu quand même le centre du monde en matière de ressources numériques, de dynamique autour du numérique dans un établissement. Oui, mais d'ailleurs, j'ai croisé hier dans mon établissement une collègue d'éco-gestion qui faisait la même réflexion et qui disait que les professeurs de programmes étaient à la pointe en matière de numérique. Donc, si même les collègues de discipline le disent, donc, commence à penser. Alors, on va parler du futur. Est-ce que tu es prête pour l'année prochaine, Ludovia 2019? Tu as le sujet, tu n'as peut-être pas entendu parler du sujet parce qu'on ne l'a pas encore sorti. Mais... On a hâte d'avoir ouais. Le sujet de l'an prochain. On est pratiquement prêt. On va essayer d'avoir aussi quelques moyens supplémentaires pour pouvoir justement avoir être plus présent de manière confortable. Voilà, que ce soit un peu plus confortable, que ce soit plus visible aussi. Mais on a beaucoup d'idées. Alors, pour rejoindre le groupe, tu peux nous rappeler un petit peu les éléments qui sont à disposition des docs qui souhaiteraient regrouper. Il n'y a pas d'inscription formelle, il n'y a pas de carte d'adhérent. Il y a un petit Twitter, quoi. Pour rejoindre le groupe Twitter, c'est @_Ludo. Il y a aussi moyen de nous contacter via notre site internet, sur ludodoc.wordpress.com, et puis par adresse mail, donc collectif.ludodoc@gmail.com. Voilà. Et de vous proposer des petites interviews, des petites présentations de PropDoc, des projets qu'on mène en établissement et qui ne sont pas forcément visibles par ailleurs, sans complexe, juste pour le plaisir. Bon, mais merci Juliette, et à une prochaine. Au pire, eh ben, ça sera Ludovia, hein, 2019. Voilà. On y va tous les ans et on adore tous les ans. Merci. Entendu, merci.